Je m'appelle Albin, je suis auteur, metteur en scène et comédien et je suis un ancien élève du cours Clément. J'ai été élève pendant 5 ans et demi au cours Clément et suite à cette formation, j'ai décidé de me professionnaliser. Donc j'ai fait une formation professionnelle à l'école Jean Périmoni et suite à ça, je me suis lancé dans le beau milieu, le beau monde du théâtre. Je suis revenu donc enseigner au cours Clément tout ce que j'y avais appris pour pouvoir partager la passion qui était née ici et tout ce que j'avais appris ici. La boucle est bouclée. Moi, mon style de théâtre, à la base, je suis plutôt un enfant de la comédie, puisque j'ai plutôt évolué dans le one man. J'ai eu un one man que j'ai joué pendant un an à Paris, au Festival d'Avignon. Là, actuellement, j'ai monté avec mon collectif une pièce de Molière, L'amour médecin, dans une version très modernisée et du coup très axée sur la comédie. Voilà, mon univers, ça va vraiment être de la comédie, ça va être plutôt de la comédie contemporaine. C'est des textes qui, à moi, me parlent plus et qui en plus, je pense, peuvent permettre de plus s'amuser avec un groupe amateur qui vient au cours Clément pour à la fois pour découvrir le théâtre, mais aussi pour s'amuser, pour se divertir. Donc le spectacle va plus être dans cette veine-là. Après, j'adore quand dans quelque chose de très comique, il y a soudain quelque chose d'un peu sensible qui intervient ou quelque chose d'un peu plus politique qui intervient. Voilà, j'adore quand ça... Quand ça arrive de manière un peu inattendue et un peu sous-jacent au rire. Moi, dans mon cours, le plus important, c'est que les gens puissent s'amuser et puissent prendre du plaisir en découvrant ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que faire du théâtre et ce que c'est que d'être sur un plateau. Je sais que la plupart des élèves viennent dans mes cours après une journée de travail. Donc ils n'ont pas envie forcément de se prendre la tête avec des choses voilà, lourdes ou compliquées. Donc il y a vraiment l'idée de faire quelque chose de ludique, d'amusant et de pouvoir apprendre le théâtre d'une manière où en fait on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on travaille des choses, on travaille le corps, on travaille la voix, l'écoute, le lâcher prise, le travail des émotions, etc. L'autre aspect important, c'est que vraiment quand on vient dans mes cours, que ce soit au moment où on travaille plus des exercices, des improvisations ou au moment où on monte le spectacle, c'est que tout le monde ait un moment de plateau. Et je veux essayer de faire en sorte qu'il n'y ait jamais un cours où il y en a deux ou trois qui vont rester sur le bord du plateau pendant tout le cours. Ça, pour moi, c'est super important qu'il y ait toujours le plus possible une pratique du plateau. Donc ça, voilà, c'est super important. L'idée de monter un spectacle aussi, c'est de monter une troupe, donc c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait un plaisir de jouer ensemble et qu'à la fin de l'année, quand on monte un spectacle, on soit fier de montrer ce qu'on a monté et qu'on soit fier d'inviter ses amis et que quand on termine le spectacle, on se dise « Ah, oh, ben c'est déjà fini !» Voilà, ça c'est vraiment un truc que moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai été élève au cours Clément. C'est vrai que bah, mes meilleurs amis, je me les suis fait au cours Clément, donc il y a vraiment quelque chose, à la fois c'est le théâtre, mais il y a aussi un côté humain qui est super important. J'espère pouvoir en tout cas favoriser ça dans mes cours. Je fais toujours en sorte qu'on s'amuse pendant mes cours, donc si vous voulez vous amuser et rencontrer des gens trop cool, et bah, vous pouvez venir dans mes cours.